L'ACPPT, Association Chance et Protection pour toutes, est contre les violences faites aux femmes, les mutilations génitales féminines et pour la scolarisation des jeunes filles. Cette semaine, elle a tenu une campagne de sensibilisation à la gare routière de Matam. Nous les avons accompagnés dans leur activité. C'est une initiative à saluer. En voici une des raisons. En fait, si le transport a toujours été un élément important pour le développement de l'économie, tout comme les vaisseaux sanguins sont importants pour le développement... Pardon, vous pouvez reprendre. Oh, d'accord, on est gentils, nous. Nous vous l'accordons. Reprenons. Si le transport a toujours été un élément important pour le développement de l'économie, tout comme les vaisseaux sanguins sont importants pour le développement... Pardon, vous pouvez reprendre. Et une toute dernière fois. Pardon, reprenons. Allons-y. Si le transport a toujours été un élément important pour le développement de l'économie, tout comme les vaisseaux sanguins sont importants pour le développement... Pardon, vous pouvez reprendre. Ce n'est pas gagné. Plus assez de temps, désolé. Et ce qui est fou dans tout ça est que quand tu rencontres quelqu'un que tu penses avoir convaincu et qui te sort après des idées comme celle-ci. À ces filles qui tombent en grossesse, ils n'ont même pas 17 ans et qu'ils abandonnent l'étude. Ces filles-là aujourd'hui, moi je conseille de leur donner en mariage, même s'ils ne veulent pas. Elle au moins, elle a compris. À propos de la scolarisation des jeunes filles, vraiment ça c'est un côté qui m'a touché très fort. Parce que de nos jours, si tu as une fille, il faut la scolariser. Surtout ce que nous vivons actuellement, les mariages précoces avec les filles, les viols qui sont faits aux enfants, aux adolescents. Parce que chaque fois, en écoutant la radio là-bas, j'entends des viols faits aux enfants, aux mineurs. Enfin, franchement, ça me touche. Les démarcheurs, si vous ne les connaissez pas de nos jours, ils ont quand même changé de look. Hein. Fini l'époque des Borsalino, ils ont évolué. Des jeunes, vieux, imams, retraités ont embrassé le métier. Certains continuent en solo et d'autres à réseau professionnel. Ce sont de vrais urbanistes à cause de leur maîtrise du plan directeur des quartiers. Amis avec tous les concessionnaires ou propriétaires de maisons. Cependant, ils ont une mauvaise réputation. Beaucoup ont fini par découvrir leur combine et leur mode opératoire. Immersion, coin des vrais gens. Ce soir, nous avons pénétré le monde de ces intermédiaires, parfois incontournables, entre concessionnaires et locataires. Mon professeur, je fais maïs et cuisinier, mais à l'heure là, comme il n'y a pas de travail, je me débrouille en démarche. Voilà. Démarcheurs. Voilà. Ce que je fais à l'air là, on fait les démarches. On vend le terrain, le villa, des logements. En allant pour montrer une maison à loyer, location, ça on demande 30 000 francs. Parce que nous aussi on paye les unités, on paye les transports. Quand tu gagnes maison, quand tu prends maison 500 ou bien 300 000 et tu nous donnes un mois de 300 000. Vous gagnez combien? Si c'est 6 mois d'avance, vous gagnez combien? Il me donne un mois. C'est pour cela maintenant que vous allez augmenter si c'est 100 000 francs? Non, ça c'est pas possible. Et vous pouvez dire que vous n'avez jamais fait ça? Billah, moi je n'ai pas jamais fait ça. Jamais? Jamais. Je travaille ici. Je travaille bien. Je travaille bien. J'ai un client ici, c'est pas bon. Tu connais? J'ai un client ici, c'est pas bon. Moi je travaille bien ici. Ah, mon patrimoine ici, je travaille ici bien. Vous avez fait combien d'années dans ça d'abord? Ici? Ah, 15 ans. Ça, il a fait 15 ans ici. Vous allez me regarder les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux. Regardez-moi. Jamais vous n'avez pas augmenté, vous n'avez jamais augmenté le prix de loyer de quelqu'un pour gagner les 1 mois là. Jamais. Moi, non. Nous sommes démarcheurs. Mais on ne peut pas triander quelqu'un. Si le propriétaire de maison, 150 000, ou bien 300 000, c'est qu'on a dit ça. Parce que si on augmente le prix des clients, il dit qu'il ne veut pas. Parce que
les clients n'ont pas de moyens à l'air là. Le bâtiment logement sert maintenant, il dit qu'il ne veut pas. 2 ans, il dit que c'est trop, il ne peut pas payer. 400 000 ou 300 000, il dit qu'il ne peut pas payer. Est-ce que tu comprends? Maintenant, moi, ce qui m'inquiète, à Conakry, les prix des maisons sont en train d'augmenter grave, à une allure exponentielle. Finalement, on ne sait même plus à où va s'arrêter les prix des maisons. Là. Avant, si les maisons c'était à 100 000, aujourd'hui, on se retrouve avec 500 000, 600 000. Voilà, ils sont trop augmentés, les propriétaires des maisons là. Il dit que si le client n'a pas payé ça maintenant, laisse ça, moi je vais chercher le client. C'est qu'ils ont dit ça. Et or que ce n'est pas normal ça. Bon. Attends, le problème c'est les propriétaires de maison ou bien c'est vous? Non, ce n'est pas nous, c'est les propriétaires de maison. Disons la vérité, monsieur. Non, écoute-moi bien. Non, écoute. C'est pas pour moi, c'est pas pour les maisons. Mais vous pouvez dire que c'est les propriétaires des maisons qui augmentent le prix de la maison. C'est qu'ils ont dit ça. Non, arrêtez. C'est pas vous qui augmentez. Non, astaghfirullah. Astaghfirullah. Et monsieur? Parce que je vais mourir. Dieu, il va demander. Moi aussi, je vais mourir. Voilà, mais moi, je ne vais pas faire ça. Ça, c'est un péché. C'est pas bon. Donc, vous pouvez me dire que vous n'avez jamais. Faut jurer. Ouais. Faut jurer. Ouais. Moi. Jurer que vous n'avez jamais. Au nom de ma mère. Ce n'est pas ça. Moi, je n'ai pas faire ça. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est vrai. Les 1 mois là, c'est que s'il m'a donné ça, c'est que c'est ça. Mais maintenant, on ne peut pas augmenter. Jamais. Quelles sont les difficultés des démarcheurs en Guinée? La difficulté, c'est que nous, on est en train de rencontrer. Ce n'est pas le démarcheur seulement. Les gens qui disent démarcheur, c'est des menteurs, c'est ceci, cela. Le client, encore, c'est comme ça. Quand il demandait le client, vous tombez d'accord, vous allez trouver le propriétaire de la maison, il parle aux choses. Dites-nous, monsieur, est-ce que vous pensez que les prix risquent de diminuer? Les prix ne vont pas diminuer. Je ne pense pas maintenant, même après maintenant. Je connais des ministres qui sont dans des résidences privées que nous-mêmes nous avons louées, dans les résidences privées. Donc si le ministre d'État est dans un logement privé, le ministère même, le département est dans un bâtiment privé, comme le ministère des Sports et d'autres. Vous imaginez comme une fois la population... C'est-à-dire le public, c'est lui qui travaille dans la fonction, quand est-ce qu'il va attendre son logement social? On en arrête là pour aujourd'hui. Très heureux de vous servir. Gardez la même bonne humeur. On se retrouve, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres news.